Nous sommes sur le plateau Espérance TV. Et c'est toujours plaisir et puis beaucoup enthousiasme nous avons animé l'émission à la grâce. Et puis moi, déjà, nous avons dit tout le monde bonne année, et puis tchébé fort, surtout persévérer. Nous quitter un thème pour nous aborder un grand thème, qui base notre thème là, déjà géré pour le mettre. Mais avant, nous allons plus loin. Gracien, comment vous êtes? Comment vous commencez l'année? Eh bien, moi bien, puis merci. Je dis bon Dieu, merci, parce que l'année a trouvé moi en santé, famille moi en santé, et moi remercie bon Dieu pour ça. Moi-même, moi dis bon Dieu, merci bah aussi, parce que moi, chaque jour, moi, on va venir plus belle, plus beau, on va venir plus grand. Ah, merci, bon compliment. Et moi, je pense que d'où y a une grande madame qui a fait le nécessaire pour ça là où il est là. Qui bon Dieu, donc, béni vous, et puis famille vous, et puis béni les amis, les spectateurs, tout le monde qui a regardé l'émission. Très bien, nous savons que l'émission est là, eh bien, il y a sous les trois radios, Guyane, Guadeloupe et puis Martinique, mais et aussi eh bien, les téléspectateurs d'Espérance TV qui sont abonnés, hein, nous avons dit, tchébé fort. Alors, nous avons dit, et nous avons un nouveau thème, qui dit nouvelle année, nouveau thème nouveau aussi, thème. Et gérer pour le mettre. Yes. Eh bien, nous avons plusieurs sous-thèmes à traiter. Contel et Macamété de l'eau en bouzote, hein, participants de la famille de Dieu, les alliances de Dieu avec nous, le contrat de la dîme, les offrandes de Jésus, gérer ses dettes, s'amasser des trésors dans le ciel, à l'un de ses plus petits, planifier pour réussir, gardez-vous de toute cupidité, redonner quand les temps sont durs, fidélité, récompensé. Donc, des très bons thèmes, nous allons venir à débattre et semaine après semaine. Mais aujourd'hui, nous allons commencer et puis un thème membre de la famille de Dieu. Gracieux, priez pour commencer. Papa Dieu, nous allons remercier. Alors que nous allons pencher comme nous en les divines paroles, cette parole-là, nous allons accorder nous l'Esprit Saint. Pour nous faire ça rentrer en profondeur, pour nous s'assister, qui caille bas nos forces, pour nous grandir chaque jour en pied Jésus-Christ. Bénis tout auditeur, tout téléspectateur, et permet que nous glorifions Jésus. Amen. Amen. Membre de la famille de Dieu. Ouais. Avant, et nous lis le texte là à mémoriser, nous avons une question, bon, Gassio. Mais oui. Alors, est-ce que vous êtes né membre de la famille de Dieu ou bien vous êtes divini membre de la famille de Dieu? Vous êtes venu membre de la famille de Dieu. Et pour venir membre de la famille de Dieu, vous acceptez Jésus-Christ. Parce que 1 Jean 1, 12 dit, tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, vous n'êtes pas né enfant de Dieu. Vous êtes appartenu à Dieu par droit de création. Mais à cause du péché de Satan qui volait l'identité nous, nous t'es drapé en les pouvoirs lui. Mais Jésus vini, puis il a arraché nous du pouvoir Satan et fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est là le privilège là. Très bien, texte là, et nous t'es pour méditer en là, c'est 1 Jean 3 verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Exactement, il a répondu bien à la question. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est l'amour de Dieu, mon Dieu déployer l'amour à nous pour que nous venions divinis ici. Oui. Là, nous avons regardé et ils sont en gros de A à Z. Yes. Nous avons compris l'amour bon Dieu, les créé Adam et puis Ève. Absolument. Les bon Dieu créé, ils ont trouvé toutes les choses à la disposition. Donc, Adam et puis Ève ne peuvent pas dire qu'ils n'ont à rien qu'ils ont fait. Ils ont venu trouver et bon Dieu placé là comme des gestionnaires pour te gérer tout bien. Mais ça extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas un risque, mon Dieu, voilà? Mais bon Dieu, toujours qu'il prend un risque. Bon Dieu, c'est le Dieu qui prend le plus grand risque par rapport à nous. Nous, c'est un grand risque, mais ça t'est à faire, bon Dieu. Oui, parce que bon oui. Dieu, c'est bon Dieu. Ouais. Mais quand nous avons un risque, est-ce que bon Dieu prend? Mais un peuple qui est esclave pendant 430 ans, hein, bon Dieu prend un risque, dit prend 5 petits enfants qui sont nés. Hein? Puis fait grandir
Adam parlait Pharaon, on dit Adam parlait Pharaon, il a pris un bibon, il a pris une force, puis il vient libérateur, peuple bon Dieu. Oui. Et pour maintenant continuer sur Adam et Eve, nous croyons que c'est là que bon Dieu bah Adam possibilité déjà de gérer les animaux, chaque les animaux en nom. Ensuite, et gérer jardin, occuper du jardin. Oui, Genèse 2, tout ça, 17, 18. Occuper de toutes ces bagailles-là. Donc, cultiver, occuper. Si maintenant, là, nous allons explorer les privilèges et puis les responsabilités de faire partie de la famille bon Dieu. Qui ça qui peut faire de nous, hein, qui a fait partie de la famille de Dieu? Qui ça nous peut dire, de nous qui a fait partie de la famille? Eh bien, nous croyons que faire partie de la famille de Dieu, ça c'est un grand privilège. Nous notons, c'est l'amour, c'est grâce à l'amour, bon Dieu, nous venons membres de la famille de Dieu. Et nous voyons que désir, bon Dieu, c'est de créer une terre habitée. Et auquel il a fait maintenant les créatures associées, croyez, puis participer à l'œuvre de gestion. Alors, en d'autres termes, maintenant, on va venir un partenaire. Bon Dieu, ça souhaitait à d'autres partenaires qu'on nous-mêmes, un économe, un associé, un gérant, dit tout ça, il mettait à disposition. Oui. Alors, on oublie Éphésiens 3, versets 14 et 15. Et puis, et nous voyons après ça, qui manière Jésus commence le ministère. Oui. Et puis, il présente nous en style la prière et qui a montré que ça. Nous dépendons totalement donc, de Dieu. Donc, Éphésiens 3, Paul a dit, à cause de cela, dit l'amour bon Dieu, moi qui fléchis nous devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Un monde qui est venu dire moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Un monde qui est venu dire moi, je ne suis pas riche, bon Dieu. Je me dis, ah oui, on sorti là. Moi, hein? Parce que bon Dieu déclarait que moi, c'est riche. Et Jésus, il est venu sur la terre. Matthieu 6, 9, il dit, nous mettons ça pour notre prier. Les autres qui prient, dit, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. C'est la prière qui est très profonde, dans la mesure où et nous adressons comme nous à Papa nous, notre Père. Exactement. Et si vous dites notre Père, ça veut dire qu'en réalité, nous tous c'est frères et puis sœurs. Donc, notamment, nous pour mettre dans le nous, l'amour pour Dieu manifester, les frères et sœurs pour nous offrir nous-mêmes, Papa. Exactement. Mais Jésus est tellement sage. Jésus a dit notre Père. Or, là, je suis venu, tout le monde est à connaître qu'il y a un Papa. Et puis, il y a un maman. Il y a une habitude qu'il y a Papa. Maman. Mais Jésus qui a associé mon Dieu en disant cela pour montrer filialité, relation qui nie entre un papa et puis garçon. Et puis qui a dû crier mon Dieu, papa. Oui. Alors, nous lisons trois passages là, qui a montré nous, mais qui ça ce texte là qui a enseigné nous à soumener mon Dieu qui a parlé à nous. Nous comprenons Exode 3, 10, Exode 5, 1, et puis Galates 3, 26 et puis 29. Exode 3, 10. Exode 3, 10. Voilà. Nous calons. Donc, ça, c'est l'expérience Moïse. Exode chapitre 3 et verset 10. Il a dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ouais, le texte là qui a souligné que bon Dieu a dit, nous sommes Yish, nous sommes peuple. Exode 5 aussi, même l'idée. Aaron et Moïse se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Oui. Ici, il y a mon peuple, c'est pronom personnel, mon peuple. Ouais. Mon peuple, alors, donc, mes enfants, tout ça, c'est les enfants de Dieu. Même qualité moi. Alors, on nous prend Galates 3, 26. Mon content texte là. Texte Galates, mon content texte là, qui a parlé de si vous êtes la Christ.
Galates 3 et verset 26 et puis verset 29. Ouais, Galates 3, voilà, nous y sommes. Voilà, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritée selon la promesse. Oui. Ah, mi bel texte. Oui. Et sans texte, tout le monde qui croit que. Il n'y a pas ni papa, il n'y a pas ni maman, il n'y a pas même ni avenir. Eh bien, je dis, la Bible a dit nous comme ça, que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qui dit fils, fille de Dieu, fils c'est de même Dieu par sans la problème. Foi, donc en Jésus-Christ. Par conséquent, nous frères et puis saints. Et Jésus, par honte, dit appeler nous frères. Ok. Donc, et c'est pour raison de là que nous pour mettez un lien d'amour, d'attachement et à Dieu, mais aussi qu'il y ait et puis les frères et puis les sœurs pour nous avancer ensemble. Oui, alors donc contrairement à ça, nous avons pensé que dans la création, nous sommes un petit produit isolé. Bon Dieu, pas qu'à faire qu'à dire nous isolés, nous quantité négligeable. Mais ça n'est pas vrai. Parce que bon Dieu, maintenant, créez nous et puis l'amour. Dieu existe. Mais qu'il nous aime et se rapporte à nous d'une manière si aimante que l'image de la famille est souvent utilisée dans les Écritures pour décrire la relation qu'on a avec Dieu. Et Jésus a dit, mon peuple, nous voit ça tout à l'heure, et Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères, qu'il se solidarise avec nous. Et ça est important pour nous, car à chaque fois nous adressons comme nous, et automatiquement, dans la prière, nous avons toujours dit notre Dieu, notre Père, notre Papa. Vous comprenez, Papa, nous, etc. Exactement. Et c'est important. Alors, Gaston, alors, Pucci, toute bagaille, c'est à bon Dieu. Oui. Alors, est-ce que tout ça, moi, ni, c'est pas ta main, Pucci? Donc, faut que nous restions dans le cadre là. Bon Dieu, créez-nous. Hein? Il mettait à la disposition nous tout bail qu'on en famille, en maman et puis en papa, mettait un projet différent, garçon ou bien fille. Donc, il bail tout bagaille. Donc, et alors, donc, maintenant, là, nous, en tant qu'enfant, nous ka gérer le bien papa nous, maman nous, mettez en la main nous. Mais en le papa nous, maman nous, il n'y a pas Dieu qui le créateur. Et c'est ça le livre de Psaume qui a dit nous. Nous ka lire dans Psaume 50, verset 10 à 12. Et parfois, nous obligés d'ouvrir la Bible pour nous comprendre certains points qui sont importants. Oui. Alors, Psaume 50, verset 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Voilà, voilà. Tout ça qui est dit dans le monde là, c'est à bon Dieu. Dieu. Alors, et pour qui raison, et nous avons dit comme ça, mais non, c'est jardin moi qui l'a, c'est pied bois moi qui l'a, c'est ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et bon, j'ai dit tout ça qui a dit tout dans le monde. À lui. Est-ce que nous aussi, qui appartenons à bon Dieu? Mais si nous appartenons à bon Dieu, nous allons, bon Dieu, déployer l'amour, puis racheter nous pour nous, que les garçons, pour nous venir ici, prince et puis princesse, bon Dieu. Et nous pédons, nous appartenons à lui par deux doigts. Par deux doigts, le droit de création. Parce que, bon Dieu, créez-nous, au départ, Genèse, chapitre 1er, et par droit de rédemption, quand nous voyons que Dieu déployait l'amour, par Jésus-Christ, c'est le cadeau de Dieu à nous, pour nous la vie éternelle. Et alors donc, par conséquent, quand nous avons observé qu'il n'y a rien qui, en réalité, qui enlève la terre, pas à nous,
parce que c'est bon Dieu qui propriétaire toute bagaille. Et bon Dieu place nous là comme des gestionnaires. Ouais. D'accord. On nous prend Psaume 24 verset 1. Mais on a le bel texte. Psaume 24 verset 1 cadeau à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24 verset 1. Mais quand c'est moi là souligné ça. On nous prend et nous va prendre encore le texte hein. Nous va prendre Agé. Oui. Agé 2 verset 8. L'or et l'argent m'appartiennent dit l'Éternel. Dans ce texte qui est très court. En réalité, c'est là que nous pouvons comprendre que tout ça nous nie, nous ne pouvons pas mettre un égoïsme dans le nous. Absolument. Si ça a venu, ça veut dire que nous pas touché par le Saint-Esprit, nous pas transformé et nous pas vraiment enfants de Dieu. Agé 2:8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Oui, alors mais pour dire que l'or c'est un et l'argent c'est un et mon Dieu cadeau comme ça, non mais c'est à moi, dit l'Éternel. Et c'est vous qui travaillez, c'est vous qui c'est l'argent au conflit contre beaucoup. Comment on va voir ça? Mais c'est ça. C'est que par exemple, ou quand il travaille ou quand il fait bagaille là, mais ou pas ni possibilité d'y faire bagaille là pousser. Ou peut pas. On peut pas. Faut obliger à attendre en l'air la rose, la pluie, en l'air soleil pour maturité bah là, puis grandir. Donc par conséquent, là on lève, là on est, ou naissant à rien, ou qu'a grandi, ou qu'a hérité ça papa ou puis maman bon. Mais nous, là nous venons au monde, toute la création est là, qui attend nous. Oui, c'est ça. C'est pas là nous naît, bon Dieu préparé, bah nous. Et puis. Il a préparé les yettes, hein, il préparé avant. Donc pour nous jouer. En fait, toute bagaille là, c'est mon Dieu qui crée. Et d'ailleurs, nous aussi, nous ne pouvons pas même dire comment c'est à moi, et moi qui ai fait ça, moi l'ai fait. Mais on nous prend un texte là, moi bien content, Inconique. Inconique 29 et verset et 14 là, m'en souligné. Oui, verset 14 là. Oui, 13 et 14. Voilà, Icadou. Maintenant, oh Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je? Et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oui. Tout bagaille qui a venu dire au bon Dieu. Hein? Et ça, nous ni à l'homme, nous recevons, nous recevons, dit où pour nous payer sa baroli ensuite. Ça veut dire que, qui est riche, qui est pauvre, ouais. Tout ça, nous ni. Ça appartient à bon Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Des gestionnaires. Que des économes. Pour nous gérer bien cela. De Dieu. D'accord. Quelles sont les ressources disponibles pour la famille de Dieu? Ah ouais. Le plus grand don de Dieu à ses enfants, c'est Jésus-Christ. Oui. C'est le don. Le plus grand don. Jean 3:16. Et Jésus-Christ qui a porté par nous la paix en Dieu, la paix et puis le pardon en toi, la grâce pour la vie quotidienne. En 4, il a porté par nous la croissance spirituelle, ça pour nous grandir chaque jour en Jésus-Christ. Et en 5, il a porté pour nous l'espérance de la vie éternelle. Pardon, grâce pour vivre quotidiennement, croissance spirituelle et l'espérance, non pas d'une vie seulement à sous la tête à là, mais c'est la vie qui n'a pas fini pièce, la vie en abondance, la vie éternelle, parce que bon Dieu est tellement aimé. Et tout ça, nous croyons ça. On nous prend deux textes rapidement. On nous prend Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Oui, et l'en état là, nous mettons l'accent pile en les. Nous toujours fait ça, mais à sous les textes de la Bible. 1 Corinthiens 2, verset 2, qui s'est gardé nous, et puis nous répond Matthieu 6, 33. Et texte ça là, c'est un des textes favoris, moi, moi, content en pile. Donc, on nous prend 1 Corinthiens 2, verset 2, et c'est là nous croyons que c'est important.
C'est car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui. Matthieu 6, 33, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que ce texte-là fait une ouverture bah, nous pour dire comme quoi que, en fait, des fois, nous les en mari, mm-hmm. nous les en madame, oui. nous les yish, nous les nous en travail, en gros caille. Nous les en caille, nous les en piscine, nous les en loto, nous les toutes ces bagailles-là. Ouais. Ça noble. Ça noble, ça c'est un mais qui clé premier Jésus Kabanou là. Premier là. Qui clé Kabanou? Chercher royaume et puis justice, bon Dieu. Oui. Et après, toutes ces bagailles-là, ou désir là, hein? Quoi désir là, hein? Qui pourquoi besoin mais on va désirer là ou, il est venu de passer dix esprits nous quoi faire nous quoi prendre la contre courant nous quoi commencer et chercher tous ces biens matériels là ouais. Et puis peut-être si nous n'y tenons nous quoi chercher le royaume alors que c'est bon Dieu qui l'a clair qui l'a clair chercher premièrement ouais, le ouais. Royaume mmh. Et la justice de Dieu et l'on cherche le royaume et la justice c'est Jésus ou Jean chercher, et oui. C'est pour bien et c'est pour bien c'est parce bien. Que là où trouve Jésus ça capture en tête l'idée que dit c'est c'est l'homme moi qui fait. Uh-huh, c'est ouais. L'intelligence moi qui permet de créer ça. Et alors donc, ironie dit ça. Là, on pas chercher Jésus premièrement. Et puis, royaume des cieux et sa justice. Ou peni tous les biens matériels et tous les biens unis. Mais là, on y quoi dit, mais est-ce que vous, mon Dieu, qui existe? Qui est l'éternel? On nous prend un texte à l'ami. Ah non, nous avons des belles textes là. Hein? Et Jean 14, verset 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Il vous conduira dans, et il vous conduira dans toute la vérité. La vérité. Alléluia. Mais c'est un clé qui est important. Texte là qui a commencé, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En réalité, tout le monde, toute confession ouais. Religieuse qui a dit, yo en main bon Dieu, yo content bon Dieu. Mais c'est à la loi et au témoignage, nous savons qui moun, qui content bon Dieu. Puisque ouais. Jésus même dit, sur contentement, tiennent ces commandements, gardez ces commandements. Yes, en fait, sans laisser ça pour nous prendre température, oui. Spiritualité, nous, exactement. Pour nous si nous dans le vrai. Pour nous pas qu'accouillonner comme nous-mêmes. Mais oui, en on est le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce que ce texte-là, Gracien, menti ben non. Ah mais non, pas du tout. Puisque ni mon gadi, ou m'en prend l'Éternel pour berger, mon malheureux qu'on la pierre. Ou malheureux. Bible dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui. Cela veut dire, mais non, ou peut qu'à habiter en une maison qui est très modeste, en tol, il peut être pas qu'à oublier, c'est peut-être la terre. Mais du moment où ni Jésus en la vie, ou ni en capital. Ou ni en capital. Et capital, il peut faire un transfert de fonds parce que Jésus dit, moi, préparé en palais, bon. Oui. Et là, moi, quand il vient, moi, quand il introduit en palais. Contrairement à moun, qui n'est de grands châteaux, de grands palais. Et puis, il y a malheureux, il y a malheureux, il pas à dormir, ça qui bon dit. Oui. Et puis, la vie, même pas naissance. Ouais, exactement. Et psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ah, ouais, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Texte à la donne, c'est un poteau mitan, expérience moi vivée, puis texte à la. Merci, mon Dieu. Et Philippiens, Philippiens 4, verset 19, ouais. Nous, quoi dit bon ce moment-là, on nous bat la vie, nous, on l'autre option, l'en état là. Et dans le passé, si nous étions négligents, si nous étions nonchalants, si nous étions stationnés, faut que nous décollions, faut que nous avancions. Mais c'est Matthieu 6, 33, yes. Qui a battu la, la clé. C'est la règle, oui. Là. Okay. La clé. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Mon Dieu qui a pouvoir tout mettre. C'est passage à la gracia. Sa clé. Et ça, c'est des promesses qu'il a. Ah oui. Qui ça nous nie pour nous payer ça?
fait dire ces promesses là en réalité. En réalité, c'est accepter les promesses. Qui élément, qui élément, la foi. La foi, la foi. F-O-I, la foi. la foi, c'est important. Alors là, dans un bel passage là, m'a souligné. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, verset 10, et à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Oui, très bien. Mm-hmm. Et là, nous voyons que, là encore, les nous ni en talent, en don, ce n'est pas pour nous exalter comme nous et qui fait paraître savoir nous, mais pour nous dire comme quoi c'est pour nous glorifier notre Dieu. Ah, oui. Parce que c'est lui qui bat nous, car nous avons la oui, don c'est encore. Lui. C'est lui et qui et c'est important. La respiration et la vie, et c'est lui qui bat nous toute bagaille, soit matériel, soit intellectuel, soit quel que soit professionnellement, pour nous faire ça. Vivre à dans la vie, oui. Vivre et puis honorer des familles nous, honorer famille nous, qu'on lui même honorer. Ça belle pour nous dire nous qu'on fait partie de la famille de Dieu, nous membres de la famille de Dieu. Mais qui responsabilité nous ni en tant que membres de la famille bon Dieu. Depuis ni droit et ni de devoir. Ah, mais bien sûr. Depuis ni droit et ni de devoir. Deutéronome, chapitre 6. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. On y a le devoir d'aimer Dieu de tout cœur, de toute force, de toute pensée. Hein? C'est ça, devoir-là, aimer Dieu d'abord. Jouissons, nous devons vivre des bénédictions spirituelles et temporelles. Devoir, nous, c'est d'aimer Dieu. Matthieu 22, verset 37, c'est le même commandement, hein? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. D'accord? C'est Mouna qui vient dire là, qui commandement qui plie gros? En fait, Jésus dit, l'on a gardé, nous avons tous ces textes-là, explicitement gardé nous pour nous observer le commandement mon Dieu. Oui. Mais maintenant, obéir à la loi, garder les commandements, malheureusement, pour un lot chrétien, c'est l'idée d'obéir à la loi. Et en particulier au quatrième commandement, est synonyme de problème de légalisme. Oui, c'est un problème de légalisme. Alors, qui manière vous pouvez dire, c'est mon nom, que là où vous observez la loi, mon Dieu, et vous pouvez être légaliste, oui, pouvez. Mais bon Dieu, bon loi, ce n'est pas pour être légaliste, mais c'est parce qu'il sauve vous. Ou sont membres de la famille, mon Dieu, on nous doit respecter la loi gouvernement. Mais bien sûr, on va rappeler que lorsqu'on parle de la liberté, la loi des 10 commandements, c'est une loi de liberté. Parce que la liberté a abouti là où tu as commencé, tu as l'autre là. Donc, on y respecte un même bon Dieu et puis un même prochain. C'est une loi de liberté. Et on va rappeler que si ou qu'à reconnaître comme bon Dieu, comme étant créateur ou. Si ou qu'à reconnaître bon Dieu comme étant le propriétaire, et si ou sans gestionnaire, mais faut tout accepter aussi que papa bon Dieu, ben un jour d'adoration. Voilà, et après voilà. Bon saint jour, les années 58. Alors, on nous prend un texte là, maman, bien content, un texte là. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, souvenons le texte là, ou quoi, ben, aussi. Et 1 Jean 5, verset 3.
Mais ah, ce texte là, il est bon. Gardez ça et Bible a dit nous là. Et nous monde là, personne peut pas observer les commandements. Il est trop difficile, sans fardeau. Vous comprenez? Christ aboli, il cloué en la croix. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, la Bible a menti alors? Eh bien, pièce côté, la Bible ne peut pas mentir. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. En d'autres termes, ce qu'a dit moi-même, bon Dieu, prouvez ça en observant parole. Et nous rappelons, Jésus le Gomet, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Oui, Jean 14, 15. Oui, mais bien sûr. Donc, nous croyons qu'en réalité, nous avons fait un peu le gymnastique, mais moi, il y a plus grand conflit, c'est entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Mm-hmm. Et là, ça qui est capable, mon Dieu, raison, c'est attitude lui vis-à-vis de nous. Il n'a pas fait pression en les personnes, mais il dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus a dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qu'a crié Seigneur toute la journée, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est cela seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car plusieurs ce jour-là viendront et me diront, Seigneur, j'ai prophétisé, Seigneur, nous avons chassé des démons. C'est-à-dire, fait en exploitation des dons qu'on nous lit à dans Éphésiens tout à l'heure. Mais Jésus a dit, dans un Corinthien, Jésus a dit, mais moi, pas connaître ou chasser des démons, ou faire tout le bagaille, mais ou faire. Ou faire. Pucci et Bibla Kadi, Bibla Kadi, c'est Jésus, pas ramasser richesse ni trésor sous la terre. Et puis, il a conseillé nous en banque. Mais, la première fois, il dit, mais qu'est-ce que Jésus le dit là? Mais c'est, porte-moi l'argent pour moi vivre. Faut que moi l'argent, si maman, mon grand-maman, mon grand-papa m'a quitté, un petit bagage en or, moi, il m'a fait changer pour moi l'argent. Donc, maintenant, nous croyons, Jésus a dit, pas amasser quoi? C'est-à-dire, pas placer l'amour en l'or, l'argent, les choses matérielles. Au point que l'amour t'a là effacé, tiré l'empreinte, l'amour Jésus en dit donc. Oui, parce que le plus souvent, l'on motivé, tout le monde qui a écouté l'émission, qui a regardé l'émission, pour savoir que l'on que ou investi pour venir riche, ou bien ou l'on a l'argent, ou l'on fait contre tout le monde. Ou qu'à sacrifier santé ou famille ou et puis relation et puis bon Dieu le plus souvent parce que c'est tête baissée quoi foncer on est en objectif mais faut qu'on sache que plus grand objectif non c'est la le ciel éternelle. La vie éternelle. Alors on nous protège ça Matthieu 6 19 à 21. Et c'est en laissant nous qu'il finit je dis ne vous ramassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eh oui, eh oui. Et ça est important parce que si nous dit comme quoi que nous aimons bon Dieu, eh bien, il faut que nous placions le trésor nous en banque mondiale. Oui. Le trésor du ciel. Et sagesse là, c'est que pas laisser trésor bien en le latin accaparé. Parce que tandis qu'on a joui de tous ces biens-là, et pourquoi dit qu'on nomme là, mon âme, réjouis-toi, viens pas, l'amour a venu qui a surpris nous. Oui. Et pourquoi toute la futilité des choses, il n'y a pas foutu mettre un bagage encore là-bas pour partir. Depuis Genèse, bon Dieu fait un promesse, il dit comme ça, toutes les familles, nous parlons des familles, bon Dieu. Toutes les familles. C'est Abraham qui fait promesse à lui. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, en synthèse rapide, nous voyons que maintenant, nous appartenons à Dieu par droit de création et par droit de rachat. En rachetant nous, Jésus-Christ fait de nous des membres de la famille de Dieu. Nous pouvons crier papa.
Oui. Père, papa. Donc maintenant, ça c'est des privilèges. Mais à de ces privilèges-là, il y a de grandes responsabilités qui sont associées. Parce que le premier monde qui fait pas, c'est bon Dieu qui mettait nous, gestionnaires. Hein, oui. Garant pour gérer les affaires en les latin. Oui. C'est important pour nous dire comme quoi que maman est là. Et puis, la nouvelle état a commencé à. On a commencé à faire un nouveau budget. Oui. On a commencé à faire un nouveau plan. Mais on a mis bon Dieu en disant plan nous. Ah, oui. Matthieu 6, 33. Oui. On a cherché premièrement royaume et puis justice bon Dieu. Et c'est ça qui est plus important. Mais l'idée n'est pas notre table. Nous, là, et Gratien. Et dernier petit note là, mon gars, vous soulignez là. Oui, et l'argent est précieux. L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. D'accord? Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour les affamés, de la boisson pour ceux qui sont altérés, des vêtements pour ceux qui sont nus, une défense pour l'opprimé, un secours pour les malades. Mais s'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence, du bien de nos semblables et de l'avancement de la cause du Christ, il n'a plus de valeur que le sable. Très bien. Eh bien, si on laisse ça, nous avons fini et un petit causé jeudi, et nous avons dit autre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, votre cœur. Selon votre cœur, où se trouve votre trésor? Ça, c'est la question. Ouais. Maintenant, nous avons prié. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'occasion de nous ouvrir la Bible. Ah, et puis, virer, rappeler nous à l'ordre pour nous faire la priorité dans la vie. Nous. Fais-nous savoir comme quoi que nous pas là sur la terre par hasard, mais nous venons membres de la famille de Dieu. Et pour ça, vous mettez nous gestionnaires pour gérer les biens. Tout ça, nous. Capital, santé, nous, contre tous les biens physiques. Au cas nous. Eh bien, merci, bon Dieu. Alléluia. Quittez-nous chercher premièrement royaume et puis justice, alors que vous avez toute bénédiction. Amen. Nous pour nous. Béni, 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 en nom Jésus. Amen. Amen.